like, Mom, can you help me? It's good, it's good. Okay, I'll try to see. I think this is good. Very good. All right. Hello. Ooh. Hello. Hello. Thank you so much. It's so cold today. I'm so sorry. Oh, yeah. Okay. That was so bad. Your lines are great. Oh, yeah. Sorry. I'm oh, okay. I was like, it's impossible. She's great. Like, whenever I realize that straight legs, okay. Let's work. I went today. Each bag of bones. Now. I don't need to stray. Side. Side. And for an animal, top of the list,
mords pas très très fort. Alors, la musique bouge pas. Hop, hop, hop. Ça va pas du tout bien aller. Un tour comme ça et je reviens en avant.
c'est comme un demi, un cercle. Je prends ma fesse ici, puis c'est comme si je fais un cercle comme ça au sol. Donc, un. Oh, attendez, j'ai perdu l'équilibre. Un, deux. Position de mon pied. C'est le talon qui touche. C'est pas les orteils. C'est le talon qui touche. Puis une fois rendu en position, je vais un peu me pencher, à peine, juste à peine, juste assez pour pouvoir faire le demi-rond. Donc, je commence en arrière et je ramène en avant. En arrière, je pousse mon poids vers là. Je fais exprès de déhancher. On ramasse. C'est comme si on faisait ça. On allait ramasser quelque chose. Ah, donc, je penche un petit peu et je ramasse. Donc là, je suis en position. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est séducteur, c'est moelleux, c'est bouilli. Right? Position. Hop. Je mets ma main à rendu ici. Je mets ma main sur ma hanche. Là, j'ai mon genou qui pousse vers l'intérieur. Comme si j'avais une carte de crédit ici. OK. Et là, je vais prendre ma main. Je caresse. Donc, en ligne droite. À travers. Donc, c'est comme si on se touche, on suit le collarbone. On suit la clavicule ici. Et on allonge, on continue le mouvement comme ça. On fait des beaux doigts. Avec l'autre manche, ok? Pour, d'accord? On essaye sans la musique, puis après ça, on fait avec la musique. Donc, droite, gauche, position, on tourne, on fait la diagonale, et un autre tour, d'accord? Là, si vous rentrez sur scène en faisant ça, là, tout le monde est là. Ça y est, vous venez d'attraper l'attention du monde, ok? Venir chercher l'autre.
faire comme des jeux de hanches là. Mais comme un petit peu en diagonale, je suis pas comme en avant ici, ça va être trop dur. Un petit peu ouvert. Puis en faisant le transfert de poids, hop, je me retrouve en diagonale de l'autre côté. Donc le corps vit naturellement. Même chose, coupe, hop, je suis en diagonale. Et hop, je suis en diagonale. Par contre, le haut du corps, lui, il reste toujours comme un peu en avant. Hein? C'est, dans le fond, c'est vraiment juste un jeu de hanches. La séduction, c'est les hanches. Ça, c'est ce qu'on appelle le bassin de l'humanité. Hein? C'est nous qui faisons les bébés, c'est là que ça se passe. Right? Donc, endroit sacré, dès qu'on parle de séduction, c'est ici que ça se passe. Hop! Scoop! Scoop! Et scoop. Fait que diagonale, 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 diagonale. Ça va? Ça va mieux? Yes. On essaye encore une fois? Vas-y. OK. Hop. Pointe. Scoop. Because I don't know from which side I scoop first. So if I'm standing... It's only... You think about your... This one. It's always... Like, right now you're standing on this leg. Yeah, on the right. Right, so it's this hip that I'm going to scoop to where I'm standing. So it's in the back right now. Uh-huh. Yeah. So right up. Yeah. I bring it forward, mm-hmm. and now this foot is free. Mm-hmm. So I can bring it here. And then scoop. Right. Et maintenant, cette jambe là est libre. Donc je l'avance. Yeah. Et là, du coup, c'est cette hanche-là. Ah! Et là, voilà. Et ah! Okay. Yes. OK, let's try it with the music. The new book. Attends.
suis derrière. Donc je tire en avant. Ça va derrière. C'est l'Halloween. Les monstres ils sortent. Fait que là, ma hanche va derrière. Et elle, elle s'en va en diagonale. Après ça, elle s'en va derrière. Après ça, elle s'en va en diagonale. Après ça, elle va derrière. D'accord? Ouais. Mais il n'y a pas de haut et bas. C'est vraiment pour que tu restes sur la même. Parce que si je veux aller en haut et en bas, je veux vraiment aller ça. Mais c'est un autre mouvement. Allez, on essaye avec la musique. Et là, je vais vraiment ouvrir les bras parce que je prends la place. Hein. Je prends toute la place.
Puis là, je peux bouger un peu, mais très subtilement, pas beaucoup, ok? C'est comme un peu menace, hein? Allez, on reprend depuis le début. Et là, je vais remonter doucement. Fait que là, bougez votre corps. Dans cette position-là, je ne peux pas tellement vous dire pour vraiment que vous le sentiez. Là, vous êtes la déesse de l'érotique. Hein? Jambes en avant. Puis là, genre, les mains vont remonter. On va à l'extérieur de la cuisse et on touche que du bout des doigts. À peine. On effleure à peine. Okay? C'est juste comme... pour donner un indice, vous regardez. Là, mes mains vont être retournées. Là, j'ai ma hanche en avant. Mon poids est principalement sur ma jambe de derrière. Ok. Et là, on remonte, on remonte, on remonte. Là, on imagine avoir des grands cheveux, des plumes, et là, on s'en va jusqu'en haut. C'est important de finir le mouvement. Alors, quand on va jusqu'en haut, on finit le mouvement. Le mouvement, il se termine au bout des ongles. D'accord? Puis c'est important de penser, essayez pas d'être tout le temps droite devant le miroir, le corps en diagonale. Pourquoi le corps est en diagonale? Parce que c'est là qu'on voit le plus les courbes. Et on veut voir les courbes d'une femme, parce qu'il n'y a rien de plus beau sur Terre qu'une femme. D'accord? Donc, jambes en avant, je monte. Rendu aux hanches, je donne mes fesses un peu. Là. Puis là, je vais comme me dandiner un peu pendant que je monte les bras. Parce que là, je me donne. C'est comme, voilà chérie, me voilà, je suis tout à toi. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut qu'il se passe dans la tête. OK? Allons-y. Allons-en. Il faisait froid, maintenant il fait chaud. Oui, ça dépend de tes genoux, mais la chose qui est vraiment importante, c'est que ton bois.
poids, il n'est pas sur les deux jambes. Ton poids, il est vraiment sur la jambe en arrière. Va pas si loin. Moins loin. Voilà. Et tu plies ta jambe derrière. Et la jambe en avant, elle est appuyée sur les orteils. Fait que tu n'as pas besoin d'aller loin. Comme si tu es une danseuse qui est hyper flexible, tu vas t'en aller jusqu'en bas. Mais si tu n'as pas de flexibilité, et ben, en pliant le genou, tu commences au genou. D'accord ? Fait, l'important, c'est que quand vous êtes prête, c'est kick, push. Kick, push. Kick. La jambe, c'est droit, plie. Droit, plie. D'accord ? Et pensez toujours en diagonale. Regarde. This, like this. Non, the hands, they're like this, and les mains sont fermées, mais quand tu remontes, elles vivent, elles bougent, et c'est là qu'elles se transforment à l'envers, parce que tu ouvres les bras aussi. Donc ici, et là, c'est le dos de la main qui vient montrer la hanche, et là tu montes et tu te dandines. Et là, t'ouvres et t'essayes de rejoindre les étoiles. Plus proche les mains. Donc, on descend les épaules là. C'est pas on essaye d'attraper le. Non, non. C'est. Ok. Vraiment. Voilà, comme ça. Fait que là, on va prendre appui sur cette nouvelle jambe ici. D'accord? Pour faire. Puis on va mettre, ouvrir le pied en diagonale. Tu vas faire attention à ton pied. Ouais. Le pied est ouvert en diagonale vers là-bas. Et c'est kick et l'autre jambe. D'accord? Donc, kick, jambe. Je me dandine en me relevant. Mon pied est prêt en diagonale à faire la prochaine step. Ça, c'est bon pour mon équilibre. Là, je suis solide. Kick. D'accord? Donc, kick. Un. Kick. Deux. On reprend. Donc, kick. Un. Tout mon corps est en diagonale. Mon visage regarde le public. Right? Kick. Deux. Tout mon corps est de l'autre diagonale, mais je regarde le public. D'accord? On recommence. Kick 1. Je me baisse. Les poignets tournent ici, environ mi-cuisse. Je remonte, je me dandine. Je prends mon temps. Mon pied est préparé. Kick! Diagonale. Et la même chose de l'autre côté. Je me dandine. D'accord? Allez, on le fait avec la musique. Avec l'autre pied. Mm-hmm.
déjà en diagonale. Fait que ça en prend pas beaucoup. Fait que ça fait 1, 2, 3 et 4. Et on se retrouve encore en diagonale. Plus, tu sais, donc ça fait un tour complet. Puis rendu là, on est encore comme ça. Parce que quand on a tourné, on a joué avec nos mains. Relâcher pour le public. C'est scientifique.
On revient en douceur. Ok. Puis là, je ne mets encore pas mon poids sur cette jambe-là parce qu'elle est prête à faire le kick de l'autre côté. D'accord? Donc, quick. Slow. Quick. Slow. Quick. Slow. D'accord? Et après ça, ça va être la fin. Pouvoir filmer. Thank you.
Ready, babies? Okay. Let's go. It's like step and then up. Yes, that's it. Step around and then step and around. And then. Step and around. And step and round. You have it. That's it. I need to practice it. Yeah, it's not natural because you don't walk like that on the street. That's the thing. Like, you don't walk to the grocery store. Yeah. Olive oil. Cheers. It was fantastic class. Thank you. You're welcome. See you next week, yeah? Yes, yes, I'm here next week. Hello. C'était là la semaine passée. C'était pas là. Ben, c'est plus une semaine sur deux parce que des fois comme je suis en travail avec ma fille, puis là comme cette semaine non, la semaine prochaine. Je suis là la semaine prochaine. À moins que je le dirai pas, je m'en dirai un accident. Non, j'annule. Je veux dire, il y a aucune raison. À moins qu'il y ait une panne de métro ou whatever, mais je suis là. D'accord. Il y a pas de. Je t'aime beaucoup. Ben non, absolument. Mais j'étais contente, j'ai eu un beau cours avec Sonia. Sonia, she's amazing. Oh oui, Sonia, ben oui, elle est super. Puis, mais là, je te fuis pas, je suis comme ah. Mais il n'y a rien qui arrive pour rien, hein, voilà. Je m'occupais de mon amoureux cette fois-ci. Mais des fois, bisous les amis. Ben des fois, il faut. Mais il faut faire des choix. C'est ben c'est parce que la famille avant tout. Hein. Honnêtement, oui. Ben c'est ça. Je comprends. Ouais. Il y a des moments comme ça que oui.